jour où on a appris que Stevie Wonder acceptait de venir dans Taratata, évidemment, toutes les chansons cultes ont commencé à défiler dans nos têtes en disant « Super, il va peut-être faire ça, peut-être faire ci, peut-être accepter de... » Et puis après, on nous dit « Non, non, Stevie Wonder vient, pour son nouvel album, il ne chantera que des nouvelles chansons, rien d'autre. » Donc on fait les répétitions, il fait que des balances et des répétitions de nouvelles chansons. Et puis, sur le générique de début, sur le tapis rouge, il demande à son assistant de s'écarter. Et il me demande de venir le guider, autrement dit de lui prendre le bras et de l'accompagner sur scène. Donc imaginez des câbles, imaginez des retours, et imaginez des marches. Il y avait même un rail de travelling au milieu. Et la responsabilité de conduire sur scène Stevie Wonder sans qu'il y ait aucun incident et aucune embûche. Voilà. Ça a été un track comme jamais j'ai vécu de ma vie. Il a pris ma main et j'ai sincèrement ressenti une décharge électrique tout le long du corps, du bras et de la colonne vertébrale, vraiment du magnétisme. Toute sa confiance reposait sur moi. Je l'ai guidé sur le plateau, l'émission s'est extrêmement bien déroulée. On arrive à la fin de l'émission, derniers applaudissements pour lui dire merci. Je me lève pour aller rejoindre et là, cadeau, il enchaîne sur ça.